Histoire pour les oreilles. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas, tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable et ta voix est rauque. Tu es un loup, ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup. » Le loup partit à l'épicerie et acheta un grand pot de miel. Il mangea tout le miel et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent. « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. Ouh, ouh, va-t'en le loup, va-t'en le loup. » Alors le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la patte. Enduis-la-moi avec de la pâte à pain. » Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier. « Verse de la farine blanche sur ma pâte, monsieur le meunier. » Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier. Et il refusa de lui donner de la farine. Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et blanchit sa pâte. Pour la troisième fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » « Montre-nous ta patte d'abord, que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Le loup rentra dans la maison. Les chevreaux eurent très peur et coururent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il sortit de la maison, se coucha dans le pré et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Oh, quel triste spectacle l'attendait à la maison!
La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs étaient renversés. Le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une toute petite voix se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. La maman se mit à pleurer. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était caché sous l'arbre et ronflait en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. « Mon Dieu !» pensa-t-elle. Et si mes pauvres petits que le loup a mangés au dîner étaient encore en vie? Le chevreau fonça à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les six chevreaux en sortirent l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. « Quel bonheur !» Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis se mirent à gambader dans le pré. Mais la vieille chèvre dit « Allez, les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les sept chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit bien plein. La vieille chèvre le recousit très vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Il alla jusqu'au puits, mais les lourdes pierres le firent tomber dans l'eau. Et le loup se noya lamentablement. Les sept chevreaux accoururent alors et se mirent à crier « Le loup est mort ! Le loup est mort ! Vous êtes sauvé ! C'en est fini de lui !» Et ils se mirent à danser autour du puits et la vieille chèvre dansa avec eux.